À l'occasion des activités marquant son premier anniversaire, l'association Urgence Plus Monde a choisi la ville de Loum dans le département du Mungu pour y mener une campagne de soins gratuite avec l'appui technique de l'association Ascovim. Nous avons un ophtalmologue, nous avons un dentiste, nous avons également des personnes qui sont là en ORL, nous avons des personnes qui sont venues et qui vont faire la chirurgie viscérale et toute forme de petite chirurgie afin que la population de Loum puisse véritablement être, du moins ceux que nous allons visiter, puissent être quand même restaurés. Avec la collaboration de l'hôpital de district de Loum, plus de 1000 patients ont été reçus par les équipes médicales, appuyés pour la circonstance par de nombreux bénévoles. Celui-ci, un matin, un midi, un soir. Les patients viennent de très loin, même du district de santé de Diomé-Pendja, et sont pris en charge gratuitement. Ça, c'est vraiment une initiative à louer. Les populations de Loum qui vivent pour la plupart en dessous du seuil de la pauvreté ont accueilli cette initiative comme de la manne tombée du ciel. C'est une aubaine que la population de Loum est en train de vivre en ce jour. Nous ne pouvons pas rester indifférents pour l'action que mène Urgence Plus Monde avec Ascovim. On est reconnaissant envers eux. Vous savez, la population de Loum est purement agricole. Et les populations sont vraiment démunies. Donc on loue, n'est-ce pas, l'initiative qu'ils ont faite pour cette journée d'aujourd'hui. Après la consultation, on m'a donné les remèdes que je voici, les comprimés et les pommades avec le mal que j'ai. Après, on m'a envoyé chez le dentiste parce que je ne savais même pas que j'avais le mal dedans. C'est à mon consultant que le docteur a dépisté que non, j'avais le mal dedans. Il aura fallu un jour et une nuit pour offrir des médicaments, des lunettes optiques, des soins dentaires. Et ce n'est qu'à 4h du matin que l'équipe de chirurgiens conduite par le docteur Georges Bouélé a trouvé du repos.